Survivant des crises ivoiriennes de 2002 à 2011, dont certains ont été dédommagés par le gouvernement ivoirien, recevront l'aide de la Cour pénale internationale à travers son programme d'assistance. Une séance de travail a eu lieu en ce sens entre la ministre Maria Tukone et la responsable des programmes du fonds de la CPI, Aude Le Goff, le jeudi 14 janvier 2021 à son cabinet à Abidjan Plateau. Celle-ci a rappelé les actions déjà entreprises par le gouvernement dans ce cadre avant d'exprimer sa joie vis-à-vis de cet élan de solidarité de la Cour. Selon elle, un fonds de 10 milliards de francs a été mis en place. Elle a indiqué qu'à ce jour, la plupart des victimes d'atteinte à l'intégrité physique ont bénéficié de réparations qui continuent au niveau communautaire. Au terme de la rencontre, la responsable des programmes du fonds de la Cour pénale internationale au profit des victimes, Aude Le Goff, a fait savoir que leur but est d'être complémentaire des actions qui ont déjà été menées et qui continuent. Ce programme englobe 13 incidents qualifiés comme révélant de la compétence de la CPI et va s'étendre sur 4 régions du pays, le Cavali, Ossassandra, le Guémon et la ville d'Abidjan.